on est tous en majorité, je pense, en stage, des exploitants, etc. Est-ce que vous avez des connaissances d'agriculteurs qui ont mis des choses en place justement pour cette gestion de l'eau, pour réduire leurs émissions, pour par exemple, on pense à des méthaniseurs que l'ICA ou que Monsieur Charmois qui devait venir aujourd'hui avait. Donc ça pourrait être des alternatives. Dans mes missions, j'anime un groupe défi et le groupe défi, c'est 12 fermes viticoles qui sont en pleine transition environnementale. Donc sur ces 12 fermes, il y a 7 fermes qui sont en AB ou en conversion bio et les autres fermes sont en HVE3. Il y a 3 axes de travail en collectif. Ces 3 axes, c'est l'accompagnement sur ces démarches environnementales, la biodiversité. Mais un axe qui est majeur et qui est prioritaire, qui est aussi le maintien et la gestion de la fertilité des sols. Tout l'intérêt de la matière organique, hein, qui constitue un levier très très important d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. En sol viticole, on a des sols qui sont peu pourvus en matière organique, hein. En moyenne, on est plutôt à 2%. Donc, on travaille sur l'élévation de ce taux de matière organique. Donc, ça passe par. Il y a un des leviers, c'est la gestion de l'enherbement. Donc, des enherbements permanents, hein, qui peuvent être naturels ou semés, des engrais verts. Sur les parcelles où il y a ce type de pratique, on voit des taux de matière organique. Faut du temps, il y a une inertie, mais il faut du long terme. Et en fait, on voit des effets sur ce type de pratique. Il y a aussi un gros travail qu'a mis en place la Chambre d'agriculture avec la Fédération des vins et l'IVBD, qui est sur le matériel végétal. Hein, c'est aussi un des leviers. Donc, on a travaillé, les 3 partenaires, on a travaillé sur un vieux cépage qui s'appelle la Mairie Noire, qui est un cépage qui est autochtone du sud-ouest et de Bergerac. Donc, c'est aussi l'identité des vins de Bergerac, mais qui a disparu pour différentes raisons. Et donc, il y a eu un gros travail que la Chambre d'agriculture avec la Fédération et l'IVBD a mené sur la préservation de ce patrimoine génétique pour avoir de la diversité. Donc, on a mis en place un conservatoire. Et ce cépage, il a des caractéristiques qui étaient peut-être il y a 20-30 ans pas intéressants pour les vignerons locaux, mais qui maintenant peut répondre à une attente et à ce changement climatique. C'est-à-dire que c'est un cépage qui fait des degrés peu élevés. C'est un cépage qui est Tardif en plus, non? plus tardif, voilà, de 15 jours par rapport au Merlot. Donc c'est un cépage qui a des rendements réguliers, voilà, et en plus, on a la chance que ce soit un vieux cépage qui est peu sensible aux maladies. Donc en plus de pouvoir répondre, c'est un des leviers au changement climatique, en fait, il répond aussi à une problématique sanitaire. Il y a un mot que j'ai retenu, c'est que c'est une opportunité agronomique. Et je pense que c'est comme ça, en tout cas, moi, en tant que conseiller, c'est comme ça que j'essaye de présenter, quand on parle de changement climatique, quand on parle de choses, d'opportunités agronomiques. Voilà, tu nous as expliqué que le changement, il était là, mais on pouvait l'atténuer et Et s'y adapter aussi. on pouvait s'y adapter. Ouais. Certaines mesures, comme les engrais verts ou les couverts végétaux, en tout cas en viticulture, ça n'a pas forcément un coût supplémentaire. Parce qu'on va travailler la gestion de ces sols différemment, donc ça va être des fois moins de passages. Mon groupe travaille aussi sur moins de tentes. Donc l'un dans l'autre, on arrive des fois à des coûts qui sont beaucoup moins ou pas forcément plus élevés. Et donc le mot d'opportunité que tu as employé tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est vraiment faut le voir comme une opportunité agronomique.